Mon petit. Là, tu vas mettre à côté des soldats. Ah oui, oui, prenez. Tu vas bien, toi? T'as bien dormi? Le maréchal, il y en avait un, il n'y a pas l'air d'être là, il est pas revenu. Bah écoute, bravo. Attention la marche derrière, hein, monsieur. L'empereur! Présentez vos armes! Tout le monde est prêt? On est là, je vois plus les gendarmes. Hein? Vraiment à la hauteur pour développer le sujet. Mais peut-être que j'étais là quand même, puisqu'on a plusieurs vies. Alors on peut le penser. Donc, mais je tiens quand même avant tout à remercier l'association de Mille Histoires de mon village pour l'organisation, Monsieur Ballery et le foyer des jeunes qui a fait beaucoup aussi. Voilà, je laisse la parole. Soldats de la Grande Armée, citoyens du sud de l'Aisne, nous commémorons ce matin le bicentenaire de la campagne de France, mais plus particulièrement les 200 ans de l'arrivée de la Grande Armée à Bézu-Saint-Germain. Avant de démarrer ce devoir de mémoire, permettez-moi de prendre quelques minutes pour remercier les différents acteurs de ce bicentenaire. Je voudrais remercier les membres du groupe de travail Bézu-Saint-Germain 1814. Je vais les appeler, ils pourront venir à mes côtés. J'appelle Jacques et Michel Copeau. Attention. Oui, il est pour fondre. Il est pour fondre, lui. Et j'appelle aussi notre pierre angulaire de cet édifice, Morissette Boudaillé. Vous pouvez les remercier. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles qui ont fait une très belle manœuvre. Il fallait voir à la cuisine comment ça a bien bougé hier soir. Super. Je voulais remercier aussi les groupes de reconstitution. Le groupe Cambronne, le groupe Curial, les grenières de la Somme et les grenadiers de la garde impériale. Vous pouvez les applaudir. Donc je vais laisser la parole à Michel Delgado pour vous parler du bicentenaire de la campagne de France. Bon, vous savez bien qu'il y a eu cette bataille de Château-Thierry, les 12 février 1114, qui sont l'une des quatre victoires que l'empereur va remporter dans ce mois de février 1114. Il va croire s'être débarrassé de Blücher, il va se retourner vers Schwarzenberg, qui lui remonte la vallée de la Seine. Et ce seront les victoires de Mormant et de Montereau. Et bien, sans la Blücher, les Yécrates, si même on a cru qu'on s'en était débarrassé à un moment, il va revenir, il va y avoir ce qu'on va appeler la manœuvre de Soissons. L'empereur, sachant que Blücher a bougé, requitte Troyes, passe à travers toute la Brie. Il va coucher le soir du 28 février, il va s'arrêter à Esternay, il va déjeuner au château d'Esternay le soir, il va coucher au château d'Esternay, le lendemain il va déjeuner à la Ferté-Gaucher, et le soir il couche à Jouarre, chez M. Petit qui était maître de poste, le maire de l'époque. Le lendemain, comme MacDonald avait fait couper les ponts pour éviter les poursuites de l'ennemi, on va être obligé de refaire des ponts de bateau pour permettre à l'empereur de traverser la Marne et de venir
de partir en direction de Soissons, et il va s'arrêter le soir du 3 mars 1914 ici à Bézu, où il va dormir, c'est la nuit, dans cette maison qui est juste derrière vous. Le lendemain, il se rendra à Fismes, où là, il va apprendre que le général Moreau, gouverneur de Soissons, s'est rendu aux troupes coalisées. Alors, je ne vous dis pas la colère du petit tendu, hein, sire, que vous étiez en colère, ça. Alors là, la colère de l'empereur, et il va décider la création des blouses gauloises, parce que vous vous doutez bien qu'en 1814, l'intendance, malheureusement, ne suivait plus. Il y avait des difficultés pour les uniformes. Vous voyez, nos amis de la ligne sont plus proches de la tenue de 1814 que nos chasseurs de la garde impériale. Enfin, eux, c'était des privilégiés, allez voir. Manger mieux, on touchait plus. Le soir, on tombe la reddition de Moreau. Et ça sera ensuite la douce, la triste victoire à la Pyrrhus qu'on disait hier avec notre ami Hibernance. La désastreuse bataille victorieuse à la Pyrrhus, oui, la bataille de Craon. Crâne, comme on dit là-haut. Parce qu'un coup, le conseiller général de Crâne m'a dit: Michel, il ne faut pas dire Craon, il faut dire Crâne. Tu dis bien l'an, tu dis pas là-haut. Ça va, hein? Bien, donc, c'est ensuite une continuité, puis bien, malheureusement, vous connaissez toute la suite de cette campagne de France. Elle se terminera, le mois de mars sera moins chanceux pour l'an. Ce matin, pourquoi Bézu-Saint-Germain a été choisi pour mettre les emplacements de la Grande Armée? Bah, tout s'est joué avec une histoire de compas. L'empereur s'est mis sur une table, il a ouvert son compas sur une échelle de 7 lieues et il a commencé à calculer la sinuosité des routes. Il a calculé la trajectoire de ses armées, celle de Marmont et de Mortier, qui étaient en train de pousser l'armée de Blücher derrière l'Ourcq. Il a calculé la trajectoire du corps d'armée du maréchal Victor avec les divisions Charpentier, Boyer de Rébéval sur Château-Thierry. Et il a calculé sa trajectoire, celle du maréchal Ney, de sa vieille garde, des grenadiers de la vieille garde à cheval. Et le point de calcul pour concentrer toutes ces armées sur la carte a été le nom de ce petit village, Bézu-Saint-Germain. Voilà pourquoi Bézu-Saint-Germain a été choisi par l'empereur pour concentrer ses troupes. Alors il les a placées de la façon suivante. Il a laissé les grenadiers de la garde impériale à cheval dans une petite ferme à l'autre cour, que vous avez pu visiter hier. Il a placé les troupes du général Meunier et Curial en arc de cercle au sud du village, à la Croix-Ban, au domaine du Champ de la Barre, au Clos de Moiselle et au Grand Pré. La vieille garde de Friant, 5900 hommes, était concentrée autour du quartier général et des fermes avoisinantes. Les escadrons de Guyot étaient présents. Ils sont repartis le 4 mars au matin. L'empereur a pu repartir dans sa calèche, fait assez exceptionnel pendant cette campagne de France. Nous allons demander maintenant à l'armée de manœuvrer et de préparer vos tirs. On va essayer parce que vous allez essayer. Les armes sont gelées. Les armes sont gelées. Un petit mot encore. Hein. Pas gelé, mais mouillé. Vous savez que l'empereur avait couché le 13 février, il avait couché à l'hôtel de la Poste. Château-Thierry, où nous avons évoqué la semaine dernière la mémoire de ce Jean Souliac. Jean Souliac était donc le maître de poste. Et parmi ces postillons, il y a un des postillons de maître Souliac qui s'appelle Le Jeune. Quand les coalisés ont voulu poursuivre Napoléon, ils ont demandé à Souliac un postillon pour les guider. Pour les guider dans la région, dans les chemins de traverse, pour aller sur Reims. Ce brave Le Jeune, qui était le plus ancien des postillons, c'est donc nos services des Prussiens, et en remerciement, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné, et malheureusement, comme beaucoup de gens, qui se cachaient dans les bois ou dans les fermes abandonnées, tout ça, quand sa famille est sortie des bois à Bézu, ils ont découvert le corps de l'époux et du père, assassiné. Alors à sa mémoire, je vais vous demander 2 minutes de silence. Merci.
Portez armes. On n'a pas entendu depuis plus de 200 ans à Bézu-Saint-Germain. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyrans, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyrans, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyrans, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyrans, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Bravo! Soir local, et je pense que on peut remercier les enseignants qui profitent finalement de ces événements-là locaux pour s'appuyer dans leur pédagogie, pour que nos jeunes enfants, les citoyens du futur, puissent ne jamais oublier et cultiver cette mémoire, quelles que soient les pages de l'histoire qu'on tourne tout au long de l'année, et bien cultiver cette mémoire indispensable pour la paix, indispensable surtout pour le bien vivre ensemble, et pour nous rappeler à tout moment la barbarie de la guerre, le sacrifice de nos ancêtres, de nos concitoyens. Remercier les citoyens eux-mêmes qui sont passionnés d'histoire, remercier les associations qui bien sûr se font d'abord plaisir, je pense, puisque s'ils sont là aujourd'hui dans ces costumes, ils pratiquent entre eux ce souvenir de l'histoire et ses commémorations. Remercier bien sûr les... Le même petit peu sous le feu des projecteurs, et je trouve que c'est légitime. D'autant plus légitime qu'il ne le fait pas pour sa personne. Il le fait par rapport à sa passion de l'histoire. Il a raison, on ne sélectionne pas, comme je l'ai dit, au sein de l'Hôtel de Ville, on ne tronçonne pas, on ne saucissonne pas l'histoire. L'histoire, c'est un tout, elle appartient au pays et nous devons la prendre telle qu'elle est. Et je trouve que c'est super, parce que, comme l'a dit avec beaucoup d'éloquence Michel, eh bien, on le doit aux enseignants aussi et aux enfants. Et moi, je pense que ce que vous faites là, eh bien, c'est exemplaire et que nous devons en profiter non seulement pour se pencher. Et quand je suis arrivé, là,
les personnes qui ont passé la nuit sous la sous les tentes, je dis, vous avez passé une bonne nuit, on me dit, qu'est-ce qu'il faisait froid. On se rappelle un petit peu ce qu'est l'horreur de la guerre, l'horreur des campements. Imaginez-vous qu'il y en a encore aujourd'hui, au moment où on fait des discours qui sont dans ces conditions-là. Et donc c'est toute l'horreur de la guerre, quelles que soient les issues, hein, qu'on doit, à travers ces manifestés, pour lesquels on doit militer. Donc merci. Je vais demander maintenant... Les enfants, pouvez-vous décaler, s'il vous plaît. Allez, jeune homme, décale-toi, s'il te plaît. Ah bah. Mettez-vous en face. Mettez-vous en face, monsieur. Mettez-vous en face, de l'autre côté, s'il vous plaît. Quand on va en voyage, je change de sujet. Bon, j'ai vu, on est en mode manuel. On est allé jusqu'à vous. Qu'est-ce qu'il dit? Ça bouge pas dedans, mais... C'est pas tout de suite, sire. Sire. Et dans plusieurs, quelques semaines encore, c'est bon. Attends. 20 avril. Le 20 avril. Chapeau. Alors, il remet où, alors? Bon. Il remet où, alors? Attends, Michel, on fait une photo pour le bulletin. Oui. Maréchal... Bernard. Oui. Sire. Allez-y. Je suis avec monsieur le général. Il est en train de faire des manches.